fallait beaucoup de café, hein. Match choporifique jusqu'à l'entrée de Biric, l'homme des derbies. Salut à tous, sauteuses et footballeurs de famille, c'est Thomas. On s'est fait yesh au spaghetti, hein, un derby vraiment sans saveur, très pauvre, avec deux frappes cadrées pour les Lyonnais, quatre frappes cadrées pour les Stéphanois. Il n'y avait que trois frappes à la première mi-temps et une frappe cadrée. C'était pauvre à souhait. Et ça s'est excité, évidemment, à la fin. C'est un match, un combat. Il y a eu énormément de fautes. Milieu de terrain, c'était approximatif. Il n'y avait pas deux, trois passes d'affilée. C'était vraiment le match de la peur entre les équipes qui étaient derniers au coup d'envoi. Et dans la 11e position pour Lyon, c'était quand même difficile. Le spectacle était, évidemment, dans les tribunes, hein, c'était une fête mine de rien avec évidemment des amendes, hein, pour les Stéphanois. Il y a eu des banderoles un petit peu méchantes, mais je ne mettrai pas l'ennemi de peur de voir des problèmes. Mais surtout ça, on retient, c'était ripou. Compliqué à suivre un match pourri, franchement, ou un match, même les joueurs n'avaient pas envie de jouer, donc c'est quand même bizarre. Évidemment, un joli tifo, donc évidemment, le spectacle pour moi était en tribune, hein, tellement en raison de 1-1, l'ennemi héréditaire. Les amis, donc encore une fois, le fait du match, c'est ce hors-jeu, hein, le hors-jeu de Doucet Mawar. Sur la ligne, donc sur Turpin, là on voit clairement qu'il y a hors-jeu, mais sur un autre révélateur, on voit qu'il n'y avait pas hors-jeu. En tout cas, Mawar était peut-être le meilleur Lyonnais parce qu'il a eu 2-3 face à face. Donc là, il a marqué le but, ça a été refusé. C'était un peu le match, le but qui allait lancer un petit peu le match, les amis. Claude Puel, mine de rien, eh ben, il a fait une composition d'équipe avec, comme je vous disais, les amis, avec évidemment du Charlaby, du Beric qui est rentré à la fin, le Joker de ouf, du Diony à la place de Kazri. Kazri, quand il est rentré, il a été mais pitoyable en tout cas. Franchement, bon, c'est un coup de bol peut-être, parce qu'il n'a pas non plus, il n'a pas la patte Puel encore, mais mine de rien, il n'y a pas trop chose à retirer de ce match. Pour Lyon, ça ne bouge pas évidemment, un système à 3 avec Dubois qui est sorti blessé. Les Lyonnais ont pris un but aussi quand ils étaient à 10 contre 11, hein, évidemment. Mais je vous pose la question d'ailleurs sur Silvinho, pour vous, est-ce qu'il faut dégager ou pas? Parce que là, vous avez en classement, c'est quand même dramatique. Silvinho, mec, il a aucune inspiration, aucune fougue, tu vois. Il fait toujours la même chose avec son terrier, son Depay, avec Aouar. Ça, c'était pas bête par contre. Aouar était vraiment très très bon devant. C'était peut-être le meilleur Lyonnais, comme je vous dis. Ou c'est Aouar qui était au niveau dans cette position préférentielle derrière les deux attaquants Depay et Terrier. Par contre, pourquoi Terrier, quoi? Voilà. Terrier a marqué un but, ok, je suis d'accord. Mais le meilleur quand même, c'est Dembélé. Il a mis un petit peu le feu, Dembélé, mine de rien, quoi, dans la surface de réparation quand il est rentré. Probablement Depay et Dembélé, tes meilleurs joueurs. C'est un peu bizarre quand même, l'ami. Lopez a arrêté des bons ballons en tout cas. Les grosses occasions, c'est Boudbouz qui a une barre au début là. Et Lopez a fait quelques bons arrêts. Franchement, c'est un gardien exceptionnel, les amis. Et sur les Stéphanois, donc Boudbouz, enfin numéro 10, derrière un Diony, derrière un Beric, pas derrière un Kazri. Il a régalé. C'est lui qui est passeur décisif sur le but de Beric en tout cas. Enfin, un Riyad Boudbouz au niveau, ce que je pensais qu'il était au placard avec Printemps, et là avec Puel, je pense qu'il va avoir encore une fois des cartouches pour jouer, pour montrer son talent quand même. Kazri, quand il est rentré, et ben on s'est dit au bout d'un moment, il est où? Il a rien fait. Alors déjà, il est au placard directement, il perd sa place de titulaire pour Diony. Normalement c'était Kazri évidemment, hein, ou Beric. Et quand il est rentré, il a pas marqué des points, ça va être compliqué pour lui, mon ami. Et puis le sauveur Beric, voilà, le mec, l'homme des derbies, quoi. C'est magique quand même pour Saint-Etienne, c'est dramatique pour Lyon. Il y a eu des petits envahissements de terrain pendant le but, mais voilà, Beric arrive, on voit la joie derrière de Trauco, et bim, il te met une tête de ouf, franchement un truc de ouf. C'est un derby qui se termine bien pour Saint-Etienne, très mal pour Lyon, ça aurait pu se terminer dans 0-0, mais la magie qui se faisait, que Beric était tout seul, il a pu capter sa tête en tout cas, c'est vraiment compliqué. Allez, le classement qu'il y a à voir, et Stéphano, regardez ça, le classement avec, donc, Paris, premier 21 points, deuxième Nantes, 19 points. 3ème Angers, 4ème Bordeaux, 5ème Lille, 6ème Reims, 7ème Montpellier, 8ème Nice, 9ème Marseille, 10ème Rennes, le débrief est là, mon coup de gueule évidemment, seconde partie de tableau, 11ème Amiens, 12ème Brest, 13ème Saint-Etienne, et il gagne 7 places avec 11 points, et il passe devant Lyon, 14ème 9 points, c'est la crise pour Lyon, 15ème Nîmes, 16ème Monaco, 17ème Strasbourg, 18ème Toulouse, 19ème Dijon, et 20ème Metz, les amis, donc franchement, je laisse le classement ici, c'est la crise pour Lyon. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. N'hésitez pas à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, la petite photo sur les stories Instagram et Snapchat, le petit pouce pour récompenser la traduction sur la chaîne, et abonnez-vous évidemment pour faire péter la barre des 80 000 abonnés. Et les commentaires, faut-il virer Silvinho, et est-ce que Puel est un bon entraîneur, les amis? Je vous kiffe, salut, 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 et salut. Heureusement que c'est fini parce que c'était pauvre.